Un par un, les camions prennent possession de la piste. Le stationnement se fait en épi, comme pour un départ typlement. Dans quelques instants, les soldats du feu des casernes de Pontlieu et de Grès se feront photographier pour leur calendrier 2011. On souhaitait que la ville du Mans, par des lieux bien représentatifs, soit sur le calendrier. Donc on a choisi de mettre en première page le circuit parce qu'on est un partenaire privilégié effectivement de la CO qui, durant les épreuves sportives. Le calendrier des pompiers est l'un des plus vendus en France. L'argent récolté sert à financer une assurance aux soldats du feu. Une partie est également reversée aux orphelins des sapeurs-pompiers. Pas question donc pour l'amicale de prendre à la légère sa conception. D'autant qu'avec 38 000 exemplaires écoulés au Mans l'an dernier, le calendrier est un sacré vecteur de communication. Et de ce fait, il est important que l'amicale des sapeurs-pompiers du Mans se penche sur cette problématique pour aboutir à un document attractif. Mais la tâche s'avère plus difficile que prévu. 6 véhicules doivent quitter la piste. Les interventions n'attendent pas. Alors il y a ce qu'on prévoit, et puis il y a l'opérationnel qui prend le pas sur effectivement ce qui est prévu. Et donc oui, c'est une difficulté, mais ça fait partie de notre quotidien. Une fois les véhicules en place, les pompiers se préparent et vient le moment tant attendu. 3 minutes plus tard, la séance photo est terminée, les pompiers regagnent leur caserne. La photo, elle, rejoindra une centaine d'autres clichés à découvrir dans quelques semaines.